model. Maghahati sa France at Germany. Itong Rhine River. Ito, nasa France na kami. Itong kabila nila. Sila April. Dila ka sa kayo. Ayan, nasa France na kami. Isang oras lang ang biyahe mula sa Germany. Mataas na kami. Yeah, that's my baby. Yeah. May ganyan ba sa Philippines? Okay. Wala ganyan sa atin. Patayo. Sa taas ng bundok ng palasyon ko. Okay, Mai. Ipapapalit ko. Sige, lakad lang. Balon. Nahulog na si April. Wala ka na ang balon. Wala ka na ang katawan. Wala yung dumaan dyan. Kapalasyo. Oh, ang link naman pala eh, oh. Oh, link na. Extra kalat eh. Pero pag lumuli ka, wala. Wala, yun yung ano yung screen. Nilagyan lang ng mga gamit sa baba dito. Ah, dito na lalim yan. What is that? Wine. Ano yan? Nagaya na alak. Papi. Ano yan? Ang mga gamit kaya gamit sa bahay. Antik. Mga alam ko yun. Ito yung dakas niya. Anong laman yan? Ang gamit din ano mga gamit. Pwede kong buksan. Ano kama na dito? Ano mo? Bumaksak yung batong. Titira ka pala dito. Ano yung ganyan? Tira ka dito. Kasi yan mahayop yun, oh. So may nang ano, oh. Ay, makuha na natin. Kasi ano eh, hindi. Anong year ito na ito? Ha? Ici, nous nous retrouverons tous au bas dans la grande salle d'art. Pendant la visite, sur un rayon seulement, apparemment pour l'époque suffisant pour une chambre. Parce que dans la chambre, on y
du papel. À l'époque, lors des cérémonies, des messes, les femmes... Bibi, tali lang. Tali lang. Antik, antik. Gusto niyo ang antik na lang ba? Marka, para din lang dito 100,000 mark. Para. We zijn de meest comfortabele apart. Zo, hier is dat in het begin dat gezellig met velletje. Nou, ik denk dat het niet goed is. Het is toch ook weg. Talagang sunga yan. Iba klase. Bakal pala talaga. Bakal yun. Pinitsuran mo. Kanada na kam. Ta Kanada li. Loko na kata. Ito, pagka nasa taas ka, kita mo na kaagad yung mga kalaban doon sa baba, naglalakad pa lang. April! Taas kami, nasa taas kami ng bundok, pagi lang, hindi makita. Pagka yung mga kalaban, papunta dito, kita na kagad nila. Kasi nasa taas ng bundok eh. Mento nila parang mga adobe. Pati mga gulong bakal. Yeah.
Ito yung mga ano, itong kanyon, kapiraso lang. Taka doon ako. Ayan mga butas, oh. Diyan sila sumisilip. Yung city na yun, oh. Yung city na yun, ang taas namin, oh. Mga tao dati, oh. Where is this? Altes ng mga lumang, ano, lumang bato. Yung mga ukit nila, oh, dati pa yan. Kadena. Ito yung mamba to. Mamba mamba to. Ito yung dati. Wala siyang ginagawa pa lang. Ano yung mga gumagawa? Baka ito yung pinakaano nila architecture. Ginagawa pa lang. Ayun yung mga soldier, no? May kuha sila, no? Ito parang ano nila dito, dyan hamaan yung mga soldier, oh. Yan mga butas na yan. Pagka may laban, andyan sila sa taas. Palibot yan, eh, ng palibot ng hari. Yan, oh, dyan yung mga tao, yung mga soldier. Status, oh. Inaano niya pa, lalo lang ginagalaw. Thank you.
Rom. Rom, Jan. Rom. The auto is my new cameraman. Ito yung pinuntahan namin. Ang loob. Ito na, palabas na kami. Parang makahiya sa ate. Reality kanino. Ganda. Takwa kayo dito. May kuha tayo. Ich bin lieber ein bisschen schlafen oder spazieren. Vitamin! Jetzt gehen wir erst einmal zur Tafel, damit du mit deinen Bruder siehst. Vitamin! 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 Ayun yung castle na pinuntahan namin. Taas. Ay, wag hindi na ha, guys. Wag na, mamaya na. Ay, bawal yung ginagawa niyo. Ay, wag. Oo, kukunin. Tingnan mo, Papa. Tingnan mo, naglalambing sila kanina. Ganun. Ang takaw. Ay, tama na siya. Ayan, mabait naman sila eh. Huwag mo lang gagalawin. Nahawa. Huwag mo lang hawakan. Sige mo. Huwag mamaya na. Madami pa doon. Maubos na yan. Ay, no. Ang huwag madami. Mamaya, kung. Oo. Dalawa ginamit oh. Oy. Ay. Wag mo aga. Ay, naku, magagalit yan. Hindi yan nilalaroan. Kinakamot yung pwede. Wala tayo pag... Ami pa dun eh. Naamoy pa oh, yung binigay mo. Malik, kinakain eh. So, I hope you don't see what I'm doing. I'm going to change photo. Hey, April. April. April.
Anders läuft nicht mehr her. Immer das Dauer gleich. Der Kind war letztes. Ganz kleine. Ne? Hey, Ramjan! Si Ramjan kasi wag madami kasi mag-aaway sila eh. Baka marabulot. Tatakunan. Oh, wala na ako. Yeah. Paulenser. Ja, das ist nur Mutter nach. Ist müde. Ich weiß nicht, warum wir es sein müssen. Ja, ja. Ich schaue. Ich sehe, dass du da auch kein Gamm essen. Ja, ja. Du, der hätte noch was an der Nase. Nein, der Spießerwohr schon. Nein, der Spießerwohr haben wir. Ich glaube. Ah, ja. Das ist das Grüne jetzt. Ja, frische Trieb. Oh, hey. Komm her, komm mal her, die Pech habe ich. Das ist dein? Ja. Ja, gehst mal gleich ins Händchen, ich weiß ja alles. Ja. Ja, da hab's die auf dir, oder? Da will mir noch einen Kuss geben. Und dir da oben. Und dir da oben sagen. Das ist nicht der Papa, gell? Das ist nicht der Papa. Die müssen einfach schneiden. Du, ja. Gut, der hat schon zwei ganz herrliche Sitze. Was seht ihr? Oder die Polen hängen, das ist ja schon ganz geknorpelt. Ja, und? Ist ja auch da ist noch ein. Komm, Ebrin. Nein. Kaya naman pala ang pangalan ng pagkain. Hey, Dugo-dugo? Oo. Ayun o. Ayun yung nanganak. Ay, oo. Bagong panganak. Yun yung nanganak. Yun yung asawa niya. Bagong labas lang. Ito. Ayan yung nanganak o. Ay. Ayun o. Dugo-dugo o. Ay, oo. Yun yung nanganak. Yun yung anak niya. Yun yung asawa niya o pa. Dami. Yun yung asawa niya pa o. Tinatago yung anak niya. Ito, no? Ay, inaalagaan, no? Para hindi umiyak. Para hindi umiyak. Ano yung apple? Nagahatabon na tampe, oh.
Nasa loob mo. Ano yung apo? Bagong panganak eh. Papa yan oh. Ito yung anak niya, yun yung maliit oh. Mga mata kasi hindi ko makaan. Ha? Ang tamad. Tama yan oh. Oh, inaantok. One tamad nga. Bigyan mo. One tamad! Meron ka pa ba? One tamad. Oh, yan. One tamad. One tamad. One taga. Ngoy. Kasi yung ano. Tapos yung Ah, April, bigyan mo ta, April ah. Sige, lapit ka. Come. Hey, no me. Yeah. Come. Ha? Come. Come, come. Come. May mga code sila, may number sila. All the room daw siya. Paulain. Ang angal mo, te. Tama. Awa. Ha? Ang bilis si Jesus. Langsam. Oo. Come here. Nabayos ka lang. Diyan may aksa sa limon. That's a pretty rich. Busy eh. Ang light. Arbeit. Arbeit für da vorne. Heim. Auf. Eins habe ich noch. Genau. Mapen. Lala rein. So. Hallo, hallo. Dapo. Saan? Backward! Parang si Delia tsaka si Mami oh. Binabalak ko baka. Mamaw siya oh. Yan ka humo. Tamad yan eh. Hindi yan. Papa, monkey. Come. Hey, tumitingin. Oh, the guy comes. Like. He nagawan. Oh. Tae. Oh, oh. Oh, what's talagang nilignan yung kamay ko eh. Binuksan yung kamay ko. Ay, si Rom dyan. Alam niya, bastos siya. Ito, ayan palibot yan yung mga nilakad namin, palibot to, may kuryente yan, hindi makakasampaw.
May plastic pala yan. Total size. Yeah, yeah. Oh, mommy, this. Ito, ito pala ng kanina, papa. Ito ng kanina. Pa. Ay, ng kanina. At saka to. Baby. Ala, anong mata ng baby, oh. Ayun, laki ng mata. Ayun, oh, sa likod ng nanay. Ayun, oh, nang parang kanina. Ayun, oh, pa. Papa, ganito pala pag pinapakain, oh. Kulay. Lang? Ayan, ang puno. 14:30 is for. It's like some film. Yeah. Bonjour la Simondo. Toujours qu'on est plutôt mieux placé. Yeah. Les gars, démonétisez ça. À revenir vers leur dresseur lorsque celui-ci le décide, et vous noterez d'ailleurs que pour la plupart d'entre eux, à leur retour, ils se poseront sur ce gant de cuir que leur dresseur porte à la main gauche et qu'il présentera à l'oiseau, justement comme signal de retour. Grâce à cet entraînement, vous pourrez ici voir de près, en vol libre, en action aussi, des oiseaux qu'en règle générale, on a quand même pas mal de difficultés. Bien, alors différentes espèces en vol. Regardez, c'est un milan noir qui... Schwarzer-Milan encore. Milan noir, donc qui rate sa capture là. La récompense est au sol. Petit morceau blanc, tout simplement. Oh, il est rare qu'il rate leur... Oui, voilà, ça c'est une jolie manœuvre. Et... Il l'a relâché quand même, oui. Le Milan Royal, c'est lui. Hein. Il y a, nous vous présentons actuellement deux espèces de Milan. L'un, le Milan noir, vit pratiquement dans le monde entier. En Europe, en Afrique, en Asie, jusqu'en Australie. Il a conquis le monde, pour ainsi dire, on peut dire, en raison du fait qu'il est très débrouillard et très opportuniste. Et l'autre, c'est le Milan Royal. Ils attrapent les milans noirs particulièrement, qui sont les débrouillards du monde des rapaces. Les milans noirs attrapent occasionnellement comme cela, en plein vol, non pas d'autres oiseaux qui leur échappent très facilement, mais de gros insectes volants, papillons, libellules, gros coléoptères, par exemple. Hein, c'est ce qui nous a donné l'idée de proposer à nos milans cet exercice. Prédateurs surtout de petits rongeurs, amateurs de poissons, les milans fréquentent également les dépôts d'ordures. Débrouillard, opportuniste, très adaptable, et surtout le Milan noir,
C'est pour cette raison qu'il est largement répandu dans le monde. On regarde, pour conclure, la présentation des Milan. On regarde pour conclure. Il finirait par s'enfuir, c'est clair. Alors qu'ici, vous l'avez qui vous arrive droit devant. Hein. Ce n'est pas un très grand aigle. C'est un aigle de taille moyenne. Quelles sont ses dimensions? Eh bien, il atteint 1,60 m d'envergure à peu près, contre 1,10 m ou 1,20 m pour les Milans tout à l'heure. Et le poids de 2,5 kg environ. 2,5 kg. Il vit en Afrique de savane, donc cet aigle ravisseur, essentiellement de la capture de petits animaux terrestres de toutes sortes, essentiellement des rongeurs de toutes variétés, ordonnés par les lions, bien sûr, et il se tient sur ces carcasses d'animaux en compagnie des vautours. Hein. Les aigles sont volontiers charognards et beaucoup de rapaces le sont. Difficulté, comme ça lui arrive de temps à autre, pour un décollage à partir de l'if sur lequel il a l'habitude de se poser. Hein. Bon, il faut dire qu'il n'est pas tout jeune. Hein. Il n'est pas tout jeune. Il a plus de 30 ans, cet aigle. Hein. Il a plus de 30 ans. Et on peut déjà considérer que pour un oiseau de sa taille, c'est un âge. Voilà. Alors que lui. Donc, cet aigle ravisseur entre chez lui. Regardez, on peut l'applaudir. Regardez, il va être au décollage dans quelques secondes. Et c'est un très beau oiseau de grande taille, hein, des grands aigles, à l'un des grands aigles que l'on trouve dans le monde. Il s'appelle en français le pigargue à tête blanche. Ou si vous préférez, l'aigle pêcheur à tête blanche. Il vit en Amérique du Nord. Exclusivement, c'est une espèce typique d'Amérique du Nord. Il est puissant, il a un poulet très efficace, malgré sa taille. 2 mètres d'envergure, lui, hein. 2 mètres d'envergure, un poids qui est au-delà de 5 kg, hein. Entre 5 et 6 kg, on dira. Beaucoup de puissance, beaucoup d'efficacité, disons, dans le poulet. Hein. Il fait partie de cette famille d'aigles, donc. Qu'on appelle en français les pigards. Eh bien, cet oiseau que l'on vous présente de près, c'est un des grands dresseurs et de rentrer à son emplacement. On peut applaudir, je crois, la prestation. 3 mètres d'envergure, bien sûr. Hein. C'est l'un des plus grands rapaces au monde, le vautour moine, qui est une espèce européenne ou asiatique. Et c'est un de ces oiseaux dont je disais tout à l'heure qu'ils avaient plus de 40 ans. Hein. Il a plus de 40 ans, cet oiseau. Attention, il va vous survoler et il vous donne déjà une idée de ce que vous allez voir maintenant pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, ouais. C'est vrai, n'inspire pas forcément la sympathie. Hein. Ils ont un gros bec, souvent un long cou. Attends, faire Zavata. À nouveau, le vautour moine. Et attention au décollage. Donc, vous regardez les oiseaux qui décollent du mur. Veillez à ce que les enfants, s'il vous plaît. Veillez à ce que les enfants restent assis, ouais, près de leurs parents et ne pas même. Hein. Allez, attention, le vautour fauve, c'est lui le vautour fauve. Fauve à cause de la couleur de son plumage, tout simplement. Il y a une cigogne là-bas aussi. Hein. Au-dessus des aigles, Jean-Paul, c'est bien une cigogne. Ouais, nous avons des oiseaux qui ont quand même choisi, dans des conditions météo incertaines, de prendre l'arbre. Vous les apercevez là-bas, deux aigles. Attention, attention, il y a toute une escadrille qui décolle. Elle s'appelle comment? C'est Caroline? C'est Caroline, Condor des Andes. Hein. C'est elle, Caroline. Et t'as des très grands vautours, le Condor des Andes, mon grand nom. D'accord, oui. Je n'avais pas tout de suite saisi. Je n'avais pas saisi le problème, oui. Caroline. Le vautour fauve. Vautour à dos blanc. Il est africain, de taille moyenne. Le vautour moine, attention, lui. C'est impressionnant par le développement de sa voilure. Hein. Le vautour fauve, c'est bon. Laissez-moi un petit peu. À cause donc de la couleur de son plumage, et le vautour fauve que je montre du doigt vit à l'état sauvage en France. Hein. On peut voir des vautours fauves chez moi dans les Pyrénées, les Alpes du Sud, non pas les Alpes du Sud,
Les Cévennes, pardon. Les Cévennes. Mais il y en avait autrefois. Hein. Non. Ouais. Attention au condor. Attention au condor. Participe à la présentation. Autour de Ruppel. Avec le plumage moucheté, là, tout est là, il n'y a rien à prendre en principe, mais il se défendrait, bien sûr, si on essayait de le toucher. Le condor. Les aigles impériaux qu'on a mis en vol tout à l'heure sont là-bas. Vous les voyez, hein, deux oiseaux qui volent à distance, et justement, petit à petit, de l'altitude, survolé par une cigogne d'ailleurs. Voilà, allez, les vautours. Les vautours terminent leur survol. Attention au condor, hein. Attention au condor, parce que Caroline, attention, ça c'est le vautour fauve. Le condor, hein. Voilà. La solution facile. Termine à pied, comme souvent. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent? Vous venez de voir des vautours, vous venez de les voir de près. Il y avait différentes espèces, différentes dimensions. Regardez. Un aigle, ouais. Ouais. Les vautours sont incapables d'attraper un animal vivant, aussi petit soit-il. Regardez, regardez quand même l'approche. Je montre du doigt un oiseau qu'il faut maintenant suivre des yeux, s'il vous plaît. Regardez. Les enfants peuvent momentanément s'asseoir. Le gravier est sec, là, à peu près. Hein. Les enfants peuvent momentanément s'asseoir sur le gravier devant les bancs. Vous allongez les jambes, vous serrez les genoux et vous avez Caroline qui se projette sur vos jambes. Les grandes personnes, vous restez assises sur les bancs. Hein, les adultes, disons, vous restez assis à l'extérieur, mais il n'y a rien à craindre, c'est absolument sans danger, évidemment. Sade, pratiquement sans le moindre battement d'aile, pour rejoindre son restaurant. Regardez, elle va traverser toute l'aire de présentation. On vous propose d'avoir un contact direct donc avec ce condor, pour vous montrer que c'est possible, déjà, qu'on ne court pas grand risque, accueillir un grand rapace comme ça, sur ses genoux, mais c'est aussi pour vous montrer, c'est... Elle se sent bien la même, formidable. Oui, les pattes d'un vautour ne sont faites ni pour attraper. À nouveau, une deuxième occasion de capture. Elle va flotter encore. Peut-être changer de... Ouais. Oui, parce que, vous l'avez vu, hein, il faut que la récompense soit en surface. Ça veut dire qu'il faut que les poissons soient très près de la surface pour courir le risque justement d'être accroché au passage. Hein. Les poissons en profondeur n'ont rien à craindre hein, de la part des aigles pêcheurs. C'est ça qui est remarquable aussi. Allez, on prend le large. On prend le large. Ben, attention à toi. Allez, on y va l'aigle pêcheur. Ça va un petit peu perturber. Allez, il s'éloigne maintenant. Allez, c'est parti. Ouais, sur le retour. Sur le retour. Attention, même approche, regardez-le. Ras du sol, une longue glissade, il frappe l'eau et cette fois-ci, ça y est. La capture est réussie, parfaitement réussie. C'est un grand classique, il aime bien aller se promener un petit peu. Voilà. Beaucoup d'aisance, hein, beaucoup de légèreté lui aussi. Hein. Vautour percnoptère en français. Egyptian vulture en anglais. Schmutzgeier en allemand. Schmutzgeier, vautour des ordures. Autour des cochonneries, on peut dire, même. Hein. Il mange n'importe quoi. Fréquente les dépôts d'immondices un peu partout où il vit. C'est-à-dire en Afrique, c'est-à-dire dans beaucoup de régions d'Asie, c'est-à-dire sur tout le pourtour méditerranéen, et également en Europe, et même en France. Le vautour percnoptère vit chez nous, dans les Pyrénées particulièrement. Comment faire pour casser cet œuf énorme quand on est un vautour de petite taille et pas équipé? Eh bien, regardez. Attention, il faut lancer le caillou sur l'œuf comme il faut, et pour peu qu'il le lance fort et juste, ce caillou, allez, il faut bien. Ouais, il a beaucoup de, disons, beaucoup d'hésitation, lui, hein. Alors, de temps en temps, il prépare un joli tir, et puis ça passe complètement à côté, ou c'est... On a l'impression qu'il va... Lancer le caillou avec énormément de... Oui, pas mal, ça c'est bien. Ça, c'est... Bon, c'est un jeune oiseau. Il sait que... Oui, voilà. Il sait que c'est une coquille de plâtre. Et qu'à l'intérieur de cette coquille de plâtre, il y a bien sûr quelques cadeaux pour lui. Ah oui, c'est normal.
Dans la nature, ces petits vautours n'ont appris à casser les œufs d'autruche que parce que c'était l'occasion pour eux de faire du bon. Elle est cassée, ça y est. Ouais. C'est bien. Normalement, donc, l'usage d'outils est réservé à l'intelligence humaine. Le vautour perclopter qu'on vient de voir en action est l'une des rarissimes exceptions animales à travers le monde qui savent tirer parti d'un objet de leur environnement. Ça n'est donc, pour résoudre un problème, donc, ça n'est donc pas le résultat d'un dressage. Pala yan, ay palasyo na yan. Patignan mo kung ganda. Andun lahat ang kotse na. Ayun yung ribbon mo. April. Andun na sa labas. Pasok ka na dito. Hey, hey! Ayun, laki niya na. Tignan mo sa video, Mao. Galing. Ang laki. Tulog. Dito maganda oh. Ang bilis pala lumano niya, kaya nakakahuli na isda, ano? No? Pinamaman yung paa. Lapit ka doon. Hello, black eagle. Black eagle. Tumitiyo sa'yo po. Thank you.
audacieux. Papa, on donne maintenant un balayeur. Oh, Aina. Oh, Piga. On laisse le balayeur. Piga. Kabila na ito, friends. Yan, friends, yan. Andito ngayon ako sa Deutschland. Ito ang tinutungtungan ko, Deutschland. Ibon. Fish, yun? Pili oh, siyamo doon. Dito kami dito. Ang sila ito eh. Wie heißt du? Anna. Ja. Aha. Wo wohnst du hier in Hofdorf? Aha, nicht so weit hier? Da oben bei der Apotheke. Aha. Die Schule? Selbe? Nee, nee. Nein? Aha. Warum, Jan? Das sind drei Kinder, ja. Wie alt bist du? Ja, du bist groß, ja? Er ist 9. Ja, ja. Ja, schon. Nein, ja, ha? Ja, baka masayang niya, magagalit mama mo. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan yan. Alis ako mamaya, huwag hawakan. Bukay.
Sasakyan namin papuntang Benedict, Italy. Ayan, lahat kami Panay Pilipina dyan. Diba? Hindi ko sa chips syempre. May tip pa nga eh, 100. Saka siya namin. Dito na kami sa Italy. Pagawaan ng porcelain. Tapos, nagluluto dito. Gawaan ng plato. Tapos, yan ang nagluluto doon. Mainit. Ang mga porcelain lahat dyan. March 19. Ganda. Ganda, 19 March. Ito yung sinasakyan namin. Mga sobra-sobrang si Lola Belay. Remembrance! Huwag mo kaming kalilimutan. Pag nasa Pilipinas, kapadalan mo ako ng cornet. Thank you.
Está na coração de meu pai.